Et voici, bonjour, bonsoir, et voici mon nouveau pensionnaire, et voilà. Et oui, parce qu'on en a tous besoin malgré tout. Et oui, hein, le célibat, ma foi, hein, il faut arriver à s'organiser. Alors voici Aaron, je vous présente Aaron, mon nouvel ami. Mon nouvel ami pour un petit bout. Pour un petit bout de vie, hein. Voilà, Iron, il est bleu. Ouais, toi, t'es bleu, toi. Voilà. Iron, il pète le feu. Il est tout neuf, même, ouais, même pas enlevé encore ses pantoufles. Hein. Il a encore la pantoufle au pied. On voit bien qu'il n'a pas ses orteils. Alors voilà. Donc, et ben ouais, malheureusement, j'ai été obligé de me séparer de. Eh oui, alors je vais vous montrer, ben voilà, une séparation, c'est triste, ça me retourne encore, mais bon, voilà l'affaire. Et ben voilà, je vais me séparer de Scarlett. Scarlett a pété un câble, hein. Elle me fait du charbon du matin au soir. Moi, je peux plus, quoi. Je peux plus supporter Scarlett. Je pète un câble avec, quoi. Voilà. Bon, bye bye. Bye bye, Scarlett. Et puis, tant pis, hein. Mais bon, c'est pas pour ça autant que je vais t'en vouloir. Allez, ciao. Ouais, c'est bizarre, je suis en train de surprendre Scarlett, qui est en train de raconter des conneries, j'imagine, à Iron. Et oui, je sais pas quoi, hein, je sais pas. Mais bon, ça m'inquiète. J'espère qu'il va assurer pour le repassage quand même, hein, parce que il a besoin dans la maison. On remarquera aussi que le fer à repasser masculin, bah, il fait moins sport que le fer à repasser féminin. Hein. On voit bien, il y a du machisme dans le fer à repasser masculin, parce que là, franchement, c'est super évident. Hein.